Bonjour, je me présente, je m'appelle Younes, je suis le directeur général de Circule Déco. Circule Déco est une mini-entreprise créée par ses élèves de 3e du collège de la Kazinka. Ils ont 4 minutes pour présenter leur projet, produit, financement, stratégie marketing. Alors, nous avons eu l'idée de confectionner un objet en recyclant des boîtes de conserve. À ce pot d'herbe aromatique en boîte de conserve recyclée, ses élèves ont consacré 2 heures par semaine, en plus des cours, avec un chef d'entreprise et un enseignant pour les guider. Le but pédagogique, il est multiple. D'abord, faire prendre conscience aux élèves de la réalité du monde économique, découvrir le monde de l'entreprise, acquérir de l'autonomie, avoir confiance en soi, et puis aussi éveiller chez eux, quelque part, la petite flamme qui est leur esprit d'entreprise. Allez, venez, ils vous montrent. 15 classes de Corse participent à cette opération lancée par le MEDEF et l'Académie. Les adolescents se sont portés volontaires pour ce travail de longue haleine. Alors en tout début d'année, ils sont partants. Ça leur plaît de créer une mini-entreprise, ça leur plaît l'idée d'entreprendre. Et après, au fur et à mesure de l'année, notamment en novembre-décembre, on se rend compte que ça devient de plus en plus difficile. Donc du coup, les élèves ont tendance à lâcher un petit peu. Et une fois qu'on a le produit fini, ça recommence. Ce dimanche, sur le marché de Bastia, les secondes du lycée Jean Nigaud y bouclent justement leur projet avec la vente de leurs bougies. Ça fait apprendre, ça fait se sentir bien, libre, et de pouvoir faire un produit nous-mêmes et le vendre. Voilà. C'est excitant ou c'est stressant? C'est excitant, mais c'est stressant parfois. Les vainqueurs du championnat régional des mini-entreprises représenteront la Corse à Paris la semaine prochaine.